attends, est-ce qu'on peut zoomer? Est-ce qu'on peut zoomer? Est-ce que la production derrière peut zoomer sur ce qui se passe? Je suis débordée par ce qui est en train de se passer. Je suis un peu... Coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et c'est le jour de mon wash day. Donc je vais me laver les cheveux et comme Garnier France m'a envoyé des nouveaux produits, donc je vais les tester avec vous en fait. Carrément. Comme vous voyez, mes cheveux là, ils sont en bad hair day, donc je viens de sortir d'une d'un braid out. Je suis agréablement surprise parce que mes cheveux ont poussé. Bon là, clairement, ils sont étirés, mais même, tu vois, genre d'habitude quand je fais des braid out, ils sont pas aussi longs. Donc ça prouve vraiment qu'il y a une évolution et c'est rassurant. Peace. Bref, la pousse n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tester la nouvelle routine Hair Food Macadamia. Ces deux produits-là sont nouveaux. Ça inclut aussi le masque. J'ai pas encore eu l'occasion de tester le Hair Food Macadamia. En fait, je suis restée dans une zone de confort. Donc le banane, l'aloe, papaye, goji. En fait, je les ai tous testés, à part celui-là, il me semble. Le truc qui m'a arrêtée au fait que de le tester, c'est que je l'avais senti en magasin. J'avais ouvert le pot et j'étais en mode... pas top, tu vois, l'odeur elle m'avait pas enchantée comme celle de la banane et de l'aloe, donc je me suis dit vas-y, je vais le laisser de côté, et, tu vois. Mais là l'heure est venue, le moment est venu pour nous de savoir si il peut se placer au même niveau. J'imagine pendant tout ce temps là je l'ai négligé, je l'ai dénigré, je l'ai mis de côté alors que potentiellement c'était quelque chose qui pouvait me convenir. No way, no way. Ça c'est la couleur du shampoing et ça c'est la couleur de l'après shampoing. Donc le Hair Food Macadamia est dit comme lissant. Donc ça doit être super cool pour lutter contre les frisottis et sachant que des fois j'en ai, donc je pense pas avoir besoin de vous rappeler de quelle façon s'utilise le Hair Food, vous connaissez la team. Ça s'utilise de trois façons différentes, en démêlant, en soin sans rinçage et en masque. Je vais le tester de deux façons aujourd'hui, donc en soin sans rinçage et en masque. Et j'ai trop hâte. C'est parti pour le shampoing. C'est transparent. Je vais en mettre, quand même pas mal. Hein. Je suis même pas sûre que ça va mousser parce que mes cheveux ils sont pas super. Ah si, eh, ça mousse bien. Ok, 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 je pensais que mes cheveux étaient genre... Bah honnêtement, ça mousse super. En plus, ça sent bon. Je sais pas, ça sent trop bon. Tu sais, ça fait odeur réconfortante un peu. Je me suis dit, ça se trouve, il va pas trop bien mousser parce que... Bah comme ça faisait depuis deux semaines, je m'étais pas lavé les cheveux. Tu vois, généralement, l'accumulation des produits, ça fait que t'as besoin de faire plusieurs shampoings. Mais là, je suis à mon premier et ça mousse déjà bien. Hein. J'ai rincé le shampoing. Mes cheveux ils sont trop marrons. L'odeur elle s'est déjà imprégnée. Là c'est bien de pas avoir les cheveux, c'est quand tu les touches là déjà ça veut dire que le shampoing il est nul. Mais là ça va, je ressens pas les cheveux squeaky. Je sais pas si c'est un adjectif mais hop. Mais en fait ça sent la vanille, ça sent la noix de coco, ça sent... Ça sent... Mais ça sent super bon. En fait je pense que j'étais peut-être à l'époque tellement omnubilée par l'histoire de banane, tu vois. En fait, moi c'est toujours comme ça. Quand je suis dans ma zone de confort, j'ai beaucoup de mal à m'en éloigner. Donc, franchement, là je retoupe les gros nœuds. Je pense au niveau des racines, non, on va rigoler. Au niveau des racines, ça va être dur. Mais... Oh la team! Oh la précieuse team! Attends, attends, mon pen il glisse bien là! Attends! Ah ah ah! Voilà les problèmes! Il sent là les problèmes! À l'arrière! Ah yes! Et encore? Franchement, et encore, et encore. Eh mais attends, le démêlant il est trop bien là. En genre 2 minutes, ça y est, genre ça y est, mes cheveux sont démêlés là. Ah moi j'en mets des tonnes, hein, clairement. Hop. Et encore là, la quantité que je viens de mettre là, pour moi il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, attends, je vais en mettre un petit chouïa. Bon c'est bon, c'est bon. Je vais pas finir la bouteille quand même. Hey, hey, hey. Oh là là. Je suis choquée. Je suis choquée. Attends. L'arrière. L'arrière, elle n'a même pas. Les nœuds. L'arrière, elle n'a même pas de nœuds. Oh là là. Mais attends, c'est une dinguerie celui-là. Hein. Je crois que c'est le meilleur des mélanges. Attends, j'ai testé le banane et aloe. Et je crois que niveau temps de démêlage, il me semble que c'est celui-là qui prend le moins de temps. Et en plus, vu mes conditions capillaires, attends, j'ai porté des fausses locks pendant 2 semaines. Et donc mes cheveux, j'ai rien fait dessus, je les ai ni nourris,
il y avait des nœuds et tout. Attends, tu vas pas me dire que c'est mieux que les deux précédents que j'ai testés. Tout va se jouer sur le masque et le soin sans rinçage. Ok, donc je vous lis ce qu'il y a écrit. Aujourd'hui je vais tester le produit comme convenu. Alors il y a écrit: appliquer sur cheveux mouillés, laisser poser 3 minutes et rincer abondamment pour pleinement nourrir et lisser les cheveux indisciplinés. Qu'est-ce que je fais là, team? Je vais laisser poser 10 minutes. Au moins. Ouais, je vais laisser poser 10 minutes, ça va. Je suis choquée, à chaque fois que je mets un pas dans ma chambre, l'odeur. Oh, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle odeur, alors que non, c'est là depuis des années. Hein. Oh là là, j'ai vraiment pas respecté ça. J'ai rincé le démêlant, donc mes cheveux, là, je vous les montre. Hein. They're cute, ok. Et maintenant, enfin, on va appliquer le masque Air Food Macadamia. Donc là, je crie en fait. Je crie. Ça sent trop bon. En plus, il y a quelqu'un, hier, quand j'en ai parlé dans ma story, vous étiez plusieurs à me dire, oui, mais ça sent trop bon, genre, mais comment ça se fait que t'aimes pas l'odeur? J'insiste au niveau de mes pointes, parce que j'ai les pointes super sèches. Et pour venir distribuer le produit, toujours passer un peigne, toujours passer un peigne. Voilà, pour que ce soit réparti uniformément, en fait, sur les cheveux. Tac. Oh là là. J'en ai mis une tonne. Hop, les pointes, l'arrière de la tête. L'après-chose team, je laisse poser ça 10 minutes, pas plus, pas moins. Ensuite, je vais les rincer, revenir vers vous pour vous parler un peu du ressenti. J'ai trop hâte de voir si ça va faire quelque chose sur mes boucles. Ou est-ce que ça va plus être sur le côté nourrissant que définissant. I don't know, but we will see. Oh, ok. Wow. Tu sais, mes boucles elles sont vachement, je sais pas si vous voyez, vous avez vu mes cheveux, genre tout à l'heure ils étaient genre là, et genre ils sont bien remontés là. C'est venu un peu redéfinir mes boucles. Au niveau du toucher ils sont super doux. Franchement je kiffe. C'est le kiff! Let's go pour l'application du Air Food en soin sans rinçage. Je vais pas en prendre trop. Hop. Attends. Est-ce qu'on peut zoomer? Est-ce que la production derrière peut zoomer sur ce qui se passe? Mais attends, mais c'est un délire là! Attends, je vais continuer! Oh là 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 là! Mais attends, il est délirant ce Air Food là! Il n'est pas venu pour nous blaguer! Attends, parce que là. Non. Zoom, chérie, zoom encore. We need to see what's happening. Moi, le Air Food Banane et l'Air Food Aloe Vera, c'est pas, pour moi, ça n'a pas défini mes boucles. Comme là, c'est en train de définir mes boucles. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. On dirait que j'ai mis du gel dans mes cheveux. Attends, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'avoir utilisé un produit dit définissant, donc avec du gel à l'intérieur, tu vois, un truc. J'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive. Et là, j'ai l'impression d'être en pleine prise de conscience, de me dire, attends, est-ce que le best Air Food, il est là? Mais non! Les autres Air Food, c'est pas comme ça. C'est pas aussi, tu vois, pas défrisant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis défrisant. Mais genre, il n'y a pas de frisottis. Regarde ça! Mais on dirait pas j'ai mis du gel, même la façon dont c'est étendu. Mais attends, on est dans quoi, là? C'est un prank! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace en fait? Le produit il est vraiment en mode licence, c'est-à-dire il est vraiment anti-frisottis. Mes boucles!
truc, il est en mode définition des boucles. Hein. Non, non, no way, no way. I can't believe that. Je suis débordée par ce qui est en train de se passer. Je suis un peu... un petit peu... je parle pas beaucoup là. Non, mais c'est en fait là. Guess who's back. Et franchement... la team, je sais même pas trop par où commencer. Là, mes cheveux, ils sont secs, allés à 90%. Il y a juste l'arrière de ma tête qui est pas sec. Mais est-ce que vous voyez ou pas le dé? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Déjà, vous voyez à quel point ça a retenu ma longueur ou pas? Déjà ça. Ensuite, on va zoomer. Où sont les frisottis? Le côté lissant, il est absolument là. Émotionnellement parlant, je suis un peu... tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, le côté lissant du hair food, c'est réel. C'est réel, mais des personnes qui me demandaient de faire la revue du hair food, et je suis en mode oui mais non, je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin partager mon avis et de voir que voilà, ça y est, hein, donc que dire. Est-ce que on le met au même stade que le hair food banane et aloe? La team, ça me fait très très bizarre de le dire, mais je vais être franche avec vous, je crois que le hair food macadamia, c'est mon favori de tous les hair food qui existent sur Terre. C'est dingue, on est en 2020, 2 ans pour comprendre que... Franchement, je vous montre, déjà vous voyez à quel point ils sont brillants, à quel point la définition elle est là, j'ai pas compris, je comprends pas en fait. Pour moi, c'est un produit qui est définissant. Bah, attends, c'est dingue, c'est juste dingue, je suis trop Yo girl is so happy to be there. Quand j'utilise le hair food banane ou aloe vera, tu sais, mes cheveux ils sont un peu, comment dire, il y a des boucles, mes boucles sont définies, mais elles sont pas snatched comme ça là. Regarde ça là, on croirait, comme j'ai dit, on dirait que j'ai mis du gel. C'est un truc de fou. Je vais vous montrer un peu l'arrière. Quand on part sur un bon wash and go en day one, tu peux être sûr qu'après toute la semaine ça va rester. Je vous avertis que le soin démêlant et le shampoing, ils sont disponibles chez Leclerc et peut-être actuellement dans toutes les grandes surfaces, je sais pas trop. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et franchement, je suis contente. Donc ça, c'est des produits qui m'ont été envoyés avec le hair food par Garnier. Donc merci Garnier. La vidéo n'est pas sponsorisée, je précise. D'accord? Ils m'ont envoyé ça gentiment. Je suis trop contente. Bon voilà la team, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le hair food macadamia. Je sais déjà que vous êtes beaucoup être adepte. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça fait dans vos cheveux. Voilà, moi je me retire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous la team. Et prenez soin de vous. Mouah. See you.